And you know that I be on it. I cruise around the city like I own it. Didn't even know. I get all I get. I get all I get. I get all I get. Yeah, yeah. And you know that I be on it. I cruise around my city like I own it. Didn't even know. I get all I get. I get all I get. I get all I get. Yo, salut à tous, c'était ZB. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur Dare Ice and Drac. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est donc venir à l'endroit où il y a la gravité, donc où il y a la pyramide. Il faudra prendre un tout petit peu d'élan. Et il va falloir sauter au dernier moment, en gros, pour arriver sur ce rebord. Donc c'est un petit coup de main à prendre. Il faut pas sauter trop doucement et il faut pas non plus sauter trop fort puisqu'il faut tomber pile sur le petit rebord. C'est un petit peu le même principe que pour le glitch où il fallait sauter sur la tête du chien. C'est vraiment donc au millimètre. Une fois que vous allez être ici, donc faudra vraiment bien vous placer donc dans l'autre coin. Et en gros, tous les zombies vont venir en dessous de vous. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce glitch à deux. Donc il y a une autre personne qui se met dans le glitch AFK qui est juste à côté. Et en gros, à chaque fois qu'il y aura un bonus, eh bien, il descend du glitch AFK, il vient récupérer les munitions et il retourne dedans. Par contre, si vous voulez faire ce glitch et que vous êtes plusieurs dans la partie, tous les joueurs de la partie devront se trouver dans cette pièce. Sinon les zombies ils vont pas pile up en dessous de la personne qui est dans le glitch sur la fenêtre. Donc tous les joueurs de la partie doivent être donc dans cette pièce. Donc je vous conseille de faire ce glitch en solo ou à deux. Vu qu'il y a deux glitches dans cette pièce, vous pourrez très bien faire des manches en illimité. Voilà, sur ce, j'espère que ce glitch vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à le partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.